Cette vidéo contient du plagiat. Avant que la vidéo commence, je vous demande vraiment pardon parce que la vidéo a pris du retard, parce que je suis obligé de gérer 4 vidéos en même temps. Surprise. Yolo, c'est Primal Gamer, aujourd'hui nous sommes une nouvelle critique de connard sur Code Geass. Waouh, on ne le savait pas. Oh ta gueule. Et tout de suite, avant de commencer la vidéo, le jingle. Alors pour trouver le nom Code Geass, ils sont pas fait chier. Un mec lui a demandé son téléphone, il a demandé ses codes, c'était Geass, il a créé cet animé. Et pareil pour Lelouch, mais c'est quoi son nom crédible quoi, Lelouch? Bon, je vais un peu vous raconter aussi l'animé. Notre ustensile de cuisine reçoit un pouvoir nommé Geass par Gardevoir 2.0. Le Geass qui peut faire obéir n'importe quelle langue à n'importe quelle personne. Mais ce petit Lelouch, il a aussi des problèmes. Il est membre du conseil de classe dans l'académie Ashford, qui est composé de Millie, de Nina, de Kalen, de Charlet. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? De Suzaku et ce mec. Hello darkness, my old friend. Je m'appelle Rival. Lelouch, quand il reçoit le pouvoir du Geass et se rend compte de ses pouvoirs, et bah il va essayer de créer un sorte de Disneyland pour sa petite sœur. Et pour ça, il va se prendre pour Batman 2.0 avec bien sûr son ordre de chevalier noir. Ok, niveau nom et costume, j'en parle pas, mais niveau crédibilité, c'est un zéro pointé. Maintenant, regardez-moi ça, Lelouch qui se tape 3 filles en même temps. Bonjour, c'est William, coach en séduction sur Bordeaux et sur Arcachon. Les gars, maintenant je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur les openings. Voici l'opening 2, donc le pire opening de tous les temps. On est quand même tous d'accord sur le fait que cet opening est un... Mais regardez-moi les aptitudes de Lelouch. Il faut avoir un QI qui est égal à 0 pour ne pas comprendre qu'il est 0. Regardez-moi, je suis trop mystérieux. Après, on se demande vraiment pourquoi tu as assassiné. A vrai dire, je n'ai pas vraiment envie de critiquer Code Geass parce que c'est l'un de mes animés préférés et c'est un magnifique chef-d'œuvre avec la mise en place, les personnages, l'animation. Donc, je vais quand même essayer de rester positif. Niveau plagiat, mais on en parle. Déjà, les mechas. Ils ont plagié Transformers direct. Un peu Pacific Rim aussi. Nique ta mère. En tout cas, j'espère que Lelouch, il va être heureux parce qu'il serait au Pôle emploi. No God! Parce qu'on peut comprendre à quel point il est absent grâce aux remarques des amis. T'es passé où hier? T'es passé où hier? Oh! Yes, your highness! Ok, l'histoire se passe au Japon, mais qu'est-ce que tu croyais qu'il se passe au Zimbabwe? J'ai une question, y'a que moi qui trouve ça ironique que les Japonais, inventeurs du concept des mechas, se fassent battre eux-mêmes par leur propre arme, qu'ils ne possèdent pas, mais Britanniens en possèdent. C'est comme si nous, les Français, on se faisait battre par des baguettes. Bref, les gars, nous sommes venus à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? On est censé être à la fin de la vidéo, là? Bonjour, je suis venu critiquer ta vidéo et tes critiques de connard parce que c'est dégueulasse, tu sors pas de vidéo mais... Ah ouais... Grâce à mon pouvoir du Geass, tu vas t'abonner à ma chaîne et arrêter de critiquer ma chaîne parce que je sors plus de vidéo. Ok... Putain, elle est trop cool ta chaîne. Bon, ouais, salut. Don't try this yourself. It's extremely dangerous.